trentaine à 15 minutes. Eh bien voilà, je suis arrivé à la fontaine de Pétouze, mais l'ascension a été assez difficile dans la neige. Je pensais que les simples crampons suffisaient. Je me suis souvent enfoncé dans la neige et il valait mieux des raquettes, c'était plus approprié. C'est pas grave, ça me servira de leçon. Eh bien voilà, j'arrive pas à tenir debout. Eh bien voilà, étant donné que je suis pas suffisamment équipé, qu'il aurait fallu plus des raquettes que des crampons, je rebrousse chemin. Ce sera pour une autre fois. Si vous avez aimé cette petite promenade dans la neige, à votre guise. Je vous souhaite de très bonnes choses à tous et à toutes.
pour cette année 2022 qui s'annonce incertaine. Moi, je serai toujours là pour vous faire découvrir des lieux que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez pas. Moi, pour ma part, je connaissais pas, mais vous voyez, je suis pas suffisamment équipé pour l'occasion. Donc, je retourne à Faz, le Faz, où je me suis garé et rentrer à la maison. Me mettre au chaud avec un bon chocolat chaud ou un café, surtout un café. Là, il pleut. C'est pas l'idéal. À très bientôt. Salut.